comment une telle merveille peut-elle être en train de mourir? Un fléau ravage la terre, mais l'arbre de vie résiste. Pour combien de temps? La fin du nouveau monde approche. Les tribus sont toujours divisées. Elles ont besoin d'une personne assez forte pour les unir ou les achever. Cette histoire a débuté de la manière la plus insolite qui soit. Alors, attendez-vous à une fin stupéfiante. Bienvenue dans Biomutant. De jour, vos ennemis auront beaucoup plus de mal à vous surprendre.
Donne-moi ça. Ça a bien l'odeur de la saline. Les enjeux sont colossaux. Décollage imminent. Bonne idée. Allez vous faire plaisir. Ont des pics vertigineux. Voici Plum Pudding.
un petit village délicieux. Voyons voir. Prétend posséder des objets étranges provenant de la zone morte. Ils sont tellement rares qu'il faut les voir pour le croire. Dit que vous êtes au bon endroit. La boutique ne vend que des produits de première qualité. Il se passe des choses. Des gens importants sont debout et s'activent. Nocturne est sur le point de débuter.
Gardez ça sous le coude. Vous voyez cet électrodéchet ? Ça vous serait utile. Il est peut-être plus tard que vous ne le pensiez. Difficile de le dire lorsqu'il fait nuit. Voyons voir. Regardez cette station Carbu. Vous croyez qu'il y reste un peu de racette ? Ici, tout est dénué de vie. Voilà qui sera fort utile. Du caoutchouc là-bas. Il n'attend qu'à être récupéré.
Le bio-noyau 4J. Oxanol n'aurait jamais dû construire ces structures. Super efficace. Si vous avez sommeil, trouvez un endroit où vous reposer. Thank you.
voilà de l'électrodéchet. Rien de tel que la lumière de l'aube pour bien commencer la journée. Un échelon après l'autre. Voyons voir. Quel havre de beauté et de sérénité. Voilà la personne qui règne sur cet avant-poste. Il ne s'attendait pas à voir son avant-poste envahi. Cela dit, maintenant que vous êtes du côté de leur rival, il comprend mieux. Il ne se laissera pas intimider par vos menaces. Il sait reconnaître le poids de bons arguments. Vous avez raison, c'est mieux ainsi. Il vous cède le contrôle de l'avant-poste. L'avant-poste appartient désormais à votre tribu. Il dit que vous les avez affaiblis. Mais ils ne baisseront pas les bras. Votre Sifu vous remercie. Votre tribu gagne en puissance. Que vous avez fait du beau travail en capturant le troisième avant-poste des ennemis et pense qu'ils sont à présent assez affaiblis pour que vous les affrontiez directement dans leur fort. Ils espèrent tous que vous les guiderez vers la paix. L'heure est venue de tracer votre propre chemin.
une technologie archaïque, mais efficace. Voyons voir. Quelle journée humide. On ne voit pas tous les jours, ça doit avoir de la valeur. Un truc pour semer la mort. Rien de tel qu'une mitraillette pour tirer à l'aveuglette. Pensez à tout ce que vous pourriez fabriquer.
Une lame étincelante. Il vous attendait. S'emparer de ce fort garantira la paix entre les tribus. D'après le rapport des éclaireurs, vous pourriez mener une opération qui vous serait bien utile avant de pénétrer dans le fort. L'idée, c'est de vous balancer par-dessus le mur avec un trébuchoir. Mais d'abord, il veut que vous mettiez un casque. Sécurité avant tout. Vous n'avez qu'à chercher un peu. Ça ne doit pas être bien difficile. Et c'est taille unique de toute façon. Le monde est en péril. Profitez pleinement de cette journée. Regardez là-haut, un guettoir. Très utile pour observer le monde et voir si le monde vous observe. À vomir. Moyen le plus simple de prendre de la hauteur. Vous devez actionner les touches dans l'ordre. La technologie d'hier est encore là aujourd'hui, même si son message est dépassé. Vous êtes ici pour une raison. À vous de trouver laquelle. Difficile de trouver des armes aussi bien conçues.
Les jours vont se faire rares. Ne les gaspillez pas. Il est temps de libérer la tribu rivale. Limitez les dégâts en vous frayant un chemin vers leur Sifu. Vous devez unifier les tribus et sauver l'arbre de vie pour connaître la véritable liberté. Comme ça, on allume un feu. La sécherbe semble pouvoir prendre feu facilement. Une étincelle suffit pour démarrer un feu. Il brûle plus vivement que la lumière. Pas le temps de regarder en arrière. Il faut passer à la suite et vite.
Un bélier semble parfaitement adapté pour passer la porte. Parie qu'il suffit de frapper à la porte pour qu'elle s'ouvre. Ça va cogner. La tribu Netra accorde de la valeur à la liberté et s'évertue à la protéger. Elle souhaite que chaque tribu garde son indépendance et pense que les unifier est le seul moyen de survivre. C'était ce qu'il espérait. Pourquoi faire la guerre quand on pourrait faire la paix? Autant ne pas se battre pour des queues de cerises. Il a besoin d'une bonne raison de vous confier le fort et sa tribu. Si vous ne savez que vous battre, il refuse de vous soutenir. Il sait reconnaître le poids de bons arguments. Vous avez raison, c'est mieux ainsi. Il vous cède le contrôle du fort. Le Sifu rival est vaincu. À vous de décider de l'avenir de sa tribu. Pas le voilà, papa. Vous êtes libre de choisir, mais ce choix aura des conséquences. Papa, mon... Il vous laissera décider du sort du Sifu rival, mais vous suggère de faire preuve de clémence. Faites le bien, et la vie vous le rendra. Pas le voilà, papa. Pense que c'est une bonne décision que d'offrir son soutien à autrui lorsqu'il est dans le besoin. De plus, vous forgez votre propre destinée. Qu'elle soit bonne ou mauvaise, on ne revient jamais en arrière. Épaule contre épaule, ils feront face, jusqu'à ce que l'ordre et la stabilité soient réinstaurés. Il a entendu dire que les autres tribus ont compris que personne ne gagnera cette guerre. L'antagonisme est futile. Elles pensent toutes trois que votre tribu est devenue assez puissante pour les unifier. Manifestement, vos efforts ont payé. Une lueur d'espoir se profile à l'horizon. Les tribus sont lasses de la guerre et se rappelleront à qui elles doivent la paix, que vous la déclariez maintenant ou plus tard. Donc, voulez-vous arrêter la guerre maintenant ou poursuivre la croisade? Il partage votre avis. Mieux vaut conserver vos forces pour quelque chose d'important. Qu'importe l'altitude d'une montagne, le ciel sera toujours plus haut. C'est la chaîne à crochet des Netra. Oui.
Elle n'est pas si mal en point. Il reste peut-être quelque chose d'intéressant à l'intérieur. À peine aussi pour ça. Pendant la nuit, vous avez l'occasion de passer inaperçu. Il faut bouger en rythme, un bras après l'autre. Vous soulevez de la fonte comme personne. Bravo!
faire de grandes histoires, il faut de grands héros et de grandes héroïnes. C'est le territoire des dupi-dupes. Ils adorent la bagarre. Quelqu'un doit mettre fin à ce fléau avant qu'il ne soit trop tard. Fouillez les environs et voyez ce que vous y trouvez. Cette personne semble être de bonne humeur, bien qu'on l'ait abandonné à son sort ici. Diavre a entendu dire que vous savez éprouver de la compassion et croire que c'est dans votre nature d'aider ceux qui en ont besoin. Mais... vous demande de faire ce qui est juste, en votre âme et conscience. Ce n'est qu'au travers de votre conflit interne qu'on peut vous tenir responsable de vos actions. Zatunak se réjouit de voir que vous faites ce choix. On ne peut faire preuve de bonté sans aider autrui. Ultra. L'obscurité nimbe le monde.
comme un missile. Descendez et ralentissez un peu. Mawaouke-toi. Le marchand dit que vous pouvez consulter ses produits à tout moment pendant les heures d'ouverture. Mawaouke-renke. Pense que si vous voulez faire des bonnes affaires ici, vous allez devoir prendre votre mal en patience. Ça vaut le coup d'y réfléchir. Son poids était supérieur à sa valeur. Vous gagnez sur ce coup. Quand l'aventure appelle, tendez l'oreille. Voyons voir. Contrôlez votre destin, ou quelqu'un d'autre le fera pour vous. Choisissez une direction et feu.
attention, sur Monstrilo, la concentration de monstres au mètre carré bat tous les records. Heureusement que c'est une île. Ce n'est pas une excursion touristique, c'est l'aventure, la vraie. Un danger biologique. C'était écœurant. Ne vous laissez pas distraire par le chaos qui nous saute aux yeux à la lumière du jour. Synchronisez les boutons pour le faire fonctionner. La devise du radiafour, c'est boum. Vous avez obtenu un truc. Pas exactement ce que vous vouliez, certes, mais en un clin d'œil. Écoute, Adria. Il n'y a pas de temps à perdre si vous voulez sauver l'arbre de vie.
Veitsum Paptian Zibia. Dit que l'essentiel a déjà été dit. Soglobski, vous êtes toujours au sec. Au moins, vous en retirerez quelque chose. Ne vous dérobez pas, c'est votre heure de gloire. Vous devez vous concentrer.
trop amusant. Il est si flexible. Ça devrait vous servir. Ce pourrait être le début de la fin du monde. Et une élimination, une. Oh, ça doit faire mal. Du récup en moi. C'est toujours une joie d'en trouver.
Vous voulez vraiment sortir la nuit? Avec un Globski, on traverse le glou sans se salir. Vous avez trouvé un locotunnel. Attention, un chouchou peut en cacher un autre. Ne perdez pas le chemin de la sortie. Come on.
véritable trésor. Pas trop mal. Il faut viser toujours plus haut. Que le vent pourrait nous emporter dans le ciel. Plancher. Il n'y a rien de tel qu'une bonne histoire avec une fin inattendue. Vous êtes fait plaisir.
Ça valait le coup. Et voilà, du bon récup fait maison.